Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 28 août 2023 pour une vidéo comme j'ai pu le faire dernièrement sur la chaîne. Vidéo réception de colis venant de l'application Voct. Je dois recevoir 3 colis. Alors, j'espère avant mercredi que je puisse vous mettre la vidéo en ligne mercredi. J'en ai déjà reçu un aujourd'hui sur les 3. Je vais vous montrer, c'est le plus petit de tous. Ils viennent de chez Goupilla. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà présenté hein, ce que j'avais acheté chez lui déjà. Donc, encore une fois, quand je parle de vendeur, je mets les pseudos en haut. Voilà. C'est pas le plus intéressant des trois. Simplement parce que chez lui, j'ai déjà tout ouvert hein, pour gagner un peu de temps. J'avais acheté un seul booster collector Kamiawa, il y en a de nouveau. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, hein, avec la chance que j'ai sur Kamiawa, d'essayer de sortir quelques grosses dingueries qui me manquent, type les terrains en alternatif, par exemple, ou les dragons, ou voilà, ce genre de cartes-là. Malheureusement, j'ai pas eu de chance. Alors, je vais vous montrer du coup vite fait, parce que comme je vous dis, la première vidéo, ce premier achat, j'ai pas eu vraiment beaucoup de chance, donc voilà. Et en plus, je crois même que les cartes que j'ai, je les ai à peu près toutes. Bon, de toute façon, ma Kamiawa, j'arrive à la fin, donc voilà. C'était juste espérer sur un booster collector sortir une dinguerie. Malheureusement, ça fut pas le cas. Donc voilà, petit vigile de Boro, quelques foils communes à Unko. Voilà. La petite rare foil, c'est le noyau du méca titan, le petit marais. Voilà. Les alternatives que voilà, j'avais eu aussi ces deux-là, non foil. Ensuite, j'ai eu un Raiju fulminant. Je dis peut-être que je l'ai, mais en fait, j'ai un doute. Hein. Faudra que j'ai pas encore regardé les listes. Faut que je vérifie. Le petit Raiju en alternative manga. Hein. Voilà. Hop, j'ai eu une petite boîte à miroir en foil aussi. Voilà. Le token humain et moine. De l'autre côté, samouraï. En extended, j'ai eu la tisseuse d'harmonie. Bonne carte, mais je sais pas si je l'ai déjà sorti. Je sais pas, comme je dis, je regarderai après la vidéo ce que j'ai et ce que j'ai pas. Pour la commandeur, une petite extinction organique. Voilà. Et puis, je vous ai montré les deux alternatives non foil. Donc voilà, je vous dis, c'est pas la grosse dinguerie. Hein. J'ai été franchement habitué à mieux. Sortir bien mieux sur Kamigawa. Voilà. Clairement, c'était pas le plus. J'espérais, hein, bien sûr, j'espérais sortir des dingueries. Hein. Il y en a encore quelques-unes qui me manquent. Mais clairement, voilà, c'était pas là-dessus que je comptais le plus. C'est surtout sur ce qui va arriver dans les prochains jours, j'espère. Parce que le suivi me dit que c'est pas trop. Ça risque pas d'arriver dans les prochains jours. Malgré tout, j'espère. Parce que du coup, j'espère pouvoir mettre la vidéo en ligne ce mercredi, d'ici 2 jours. Et puis, le week-end qui arrive, c'est la sortie de Eldraine, les friges Eldraine. Donc, c'est vrai que bon, je serai parti sur autre chose. C'est vrai que cette vidéo, bon, comme je vous dis, j'espère. J'espère qu'elle sortira mercredi. Je croise les doigts. Petite vidéo, première partie de ce petit booster Kamigawa venant de chez Goupilla. Comme je vous dis, j'ai 2 vidéos qui vont arriver prochainement, hein, de colis. Donc 2 vidéos séparées. Et une petite dinguerie sur sans doute le troisième. Sans doute le troisième. J'ai eu de la chance. Voilà, si j'ai eu de la chance, vous verrez ça prochainement. Voilà, pour vous en tout cas. C'est tout de suite après la petite pause. Pour moi, c'est dans quelques jours. Voilà. Allez, petite pause. Et puis, à très vite avec mon mois du futur. Allez, yop. Deuxième et du coup troisième partie, parce qu'aujourd'hui on est mercredi 30 août et j'ai reçu et 2 colis qui restaient à arriver tout simplement. Je suis très content, franchement je suis très content parce que du coup je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne ce soir, hein, ce mercredi, donc c'est nickel, comme ça on peut repartir vendredi, enfin ce week-end qui arrive pour Eldraine. Donc voilà, on sauvera le bundle. Mais en attendant, comme je l'ai dit, on va commencer par celui-là, qui est arrivé dans un des bureaux de tabac pas très loin de chez moi. Je vais aller le chercher à la débauche et speeder pour
pour arriver avant la fermeture, entre midi et deux. Voilà, donc je suis très content. Alors, c'est pas le plus intéressant des trois que je vous ai présenté. Le plus intéressant, c'est là-dedans. Mais là-dedans, il y a des trucs sympas, on va dire. Il y a des trucs sympas, sans être des grosses dingueries. Malheureusement, c'est vrai que j'aurais aimé sortir des grosses dingueries de ce que je vais vous présenter dans celui-là. Malheureusement, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. J'ai eu la chance sur le troisième colis. Donc voilà, ce bien protégé, c'est nickel. Ce colis vient de chez... Je vais utiliser juste, je vais rien laisser. Ce colis vient de chez Gigix. Gigix, je ne sais pas si je vous avais déjà parlé. J'avais pris des choses chez lui avant, je crois, de mémoire. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y aura le nom du vendeur en haut. C'est bien protégé avec du papier bulle. Hop. Voilà. Et un petit deuxième d'ailleurs. Scotch. Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez lui? J'ai pris... Ah, c'est vrai qu'il ne met pas les boosters, mais moi, ça ne met pas les boosters. De toute façon, vous allez le voir direct. Un bon gros tas de cartes. Et c'est du Commander Master. Voilà, du Commander Master. Voilà. C'est dommage. J'aurais aimé avoir un peu de chance sortir des grosses dingueries. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Donc, une petite carte de liste pour commencer. Un petit contresort foil. Version normale. C'est cool. Petit OVA, je passe assez vite sur ça. Ça, c'est très cool, ça va rentrer dans mon deck. Je suis ravi. Jambière d'éclair, ça va rentrer dans mon deck Golgari. Je m'arrêterai sur les cartes vraiment qui sont cool, quoi. Petit bouleversement de réalité en full art. La petite forêt de Rebecca Gay, c'est cool. Je sais pas si je l'avais déjà ou non. Carte d'illustration. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau Je passe assez vite. Petit cadeau généreux, c'est cool aussi. Mais je crois que je l'ai déjà récupéré avant, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Une petite Hill Foil de Mark Poole, très cool. Ça, c'est très cool parce que c'est une illustration de Magali Villeneuve. Donc, elle va rentrer dans ma collection d'illustrations. Faire de l'os. J'ai pas eu beaucoup de chance, hein, vous le verrez sur les cartes slivées. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé sortir une petite dinguerie. La petite Forêt de Rebecca Gay, c'est très cool. Petite carte d'illustration. Une carte de liste. Suntouch Mir. La petite copperante Arm Foil. Murmure, Patriarche, Choufifre. Les terrains qui arrivent en jeu engagé. Un petit pillage en foie, en full art. La montagne de Mark Poole. Voilà, j'aurais aimé sortir cette carte par exemple. Subordination. Bon, c'est pas arrivé malheureusement. Serviteur propagateur, Anafenza. Petite fée ou fiction, c'est toujours cool. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? La petite île de Mark Poole. Petite carte d'illustration, ça c'est très cool du précepteur. Ça fait très plaisir. Ouais, c'est vraiment le kiff. Ça, c'est un petit cadeau de fée ou fiction de la part du vendeur. Hop, Richard Kane Ferguson, c'est très cool, je ne l'avais pas encore récupéré, donc elle va rentrer dans ma collection. Et puis, pareil, la petite mutation de son brassier. Par contre, ça, je crois que je l'avais déjà récupéré de mémoire. Bon, c'est toujours cool. Voilà. Ensuite, les cartes slivées. Donc, on commence avec un petit don du forgeacier. Une petite carte blanche, chercher une bibliothèque, une carte d'équipement. Révéler cette carte et mettre elle dans votre main, puis mélanger. Hop, le vagabond du Maelstrom en version normale, le titan de la fournaise, mage de la roue, petit tour du commandant, ça c'est très cool, je vais avoir entré dans mon deck aussi, donc ça fait plaisir, je l'avais pas encore, j'avais fait exprès de la sortir, ma version normale pour pouvoir espérer choper celle-là, quand même plus sympa, Sakiko, Omnixilis, Confluence, un petit contresort en alternative foil, ça c'est très cool aussi. Un petit deuxième chemin vers l'exil, je l'ai déjà récupéré. Semeur de Discord, Azusa. Ça, c'est un petit cadeau de la part d'un des personnes qui a ouvert sur le live. Je suis un peu déçu de ne pas avoir gagné une battle, ce qu'on appelle. Il m'a dit, bah, si tu veux, bah, je peux te la filer. Bon, bah, j'ai fait, bah, écoute, merci. Au moins, voilà, j'aurai une petite carte portrait. C'est quand même un petit peu la nouveauté de Commander Master. Donc voilà, au moins en avoir une, c'est cool. Hop,
une petite exsanguination. Je l'ai déjà récupéré de Scott Fisher. Ça rentre dans la collection malgré tout. Sakiko et le petit shipper de Trésor. Vous voyez, pas de grosses dingueries. Hein. J'ai vraiment pas eu de chance sur 5 boosters. Je crois que j'avais pris 5 boosters chez, lors de ce live. J'ai pas sorti une seule mythique sur 5 boosters. J'ai vraiment pas eu de chance. Pourtant, dans cette boîte, il y a eu des dingueries qui sont sorties. Vraiment. Donc, je suis un petit peu déçu. Clairement, voilà, c'est un petit peu... ouais, c'est, ça dégoûte un petit peu. Ça dégoûte un petit peu. Voilà pour Commander Master de chez GX. Donc, merci encore à toi, GX, malgré tout, hein, même si tu n'as pas eu la chance, la main chanceuse avec moi. C'est toujours un plaisir de venir sur tes lives. Voilà. Et puis, bien, on va attaquer le troisième, la grosse dinguerie là-dedans. Mais je vais faire une petite pause, histoire de couper entre tous les paquets. Allez, on est parti pour le troisième colis. Ce colis vient de chez l'As de Pique. L'As de Pique, je vous en ai déjà parlé. J'avais déjà pris des choses chez lui. J'avais eu plutôt de la chance, je crois, de mémoire. Donc, voilà. Et encore une fois, vous allez voir. Grosse dinguerie. Alors, j'ouvre ça et après, je vais vous faire une petite... j'ai fait un petit truc, vous allez voir. Je vais vous montrer ce qu'il y a de beau dedans. Putain, c'est très, très bien emballé. Je fais peut-être une petite pause si c'est un petit peu trop galère. Alors... on est bon, donc vous voyez, hein, franchement, c'était protégé, surprotégé. Voilà. C'était vraiment nickel. Et je vais vous montrer ce que c'est, et puis on va en parler. Vous allez voir. J'ai fait un petit truc sympa. Vous reconnaissez ces dos? Si je vous montre ça. Oui, c'est du Lord of the Ring. Lord of the Ring, chez l'As de Pique. C'est très cool, parce que je voulais faire une dernière ouverture avant de chercher à l'unité. Il y en avait, donc voilà. J'ai pris chez lui 6 boosters. Ouais, 6 boosters, si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez voir, j'ai fait une petite capture de l'un des boosters. Vous allez voir, j'ai sorti une petite dinguerie. Donc si j'ai bien fait mon planning, enfin mon petit truc, normalement, je devrais vous mettre maintenant la vidéo. Ouais, on a pas eu les personnages... on n'a pas eu de gros personnages, on n'a pas eu les maîtres archers qu'on peut faire. Il y a la petite... je me souviens pas en vert là. Je me souviens pas du nom. Il y a encore du Nazgûl. On peut encore faire des petits trucs. Hein. Morsure de Gouloum. Condamnation. Délibération. Pierre d'Erech. Toujours pas ce petit Nazgûl. Hein. Gimli en showcase. Oh, ben voilà. Il suffisait de les appeler. Ah, et une petite... ouais, c'est une commune. C'est une petite commune. Et ben voilà. Bim, badaboum. Petit maître archer orc. On n'a pas été gâté du tout. Ben, on avait fait la tombe et la caverne sur la première case qu'on avait ouvert là. Mais c'est vrai que c'est plus souvent des cartes pas folles que de l'ultra folle. Alors bon, on va espérer que si sur celui-là. Petite marche de la porte noire. Ah, oh, c'est encore noir. Allez, s'il te plaît, c'est noir. Bon, ça veut pas. Nazgûl, ça veut pas. Ah, ben si. Un petit Sauron showcase. Un petit barrac dur. Un petit séron nécromancien foil. Et le token de l'anal. Ah, j'aime ça quand ça sort comme ça, là. Très noir, hein. Là, on a eu un très, très, très noir, là. Les Nazgûl, maître archer orc, Sauron. Là, on est très, très noir, là. GG mon petit Serra, ça fait plaisir. Et puis bah du coup, vous avez vu, il y a une grosse dinguerie dedans. Mais c'est pas tout à fait le cas, vous allez voir. Donc tout d'abord, hop, là-dedans sont peut-être les communes, les Unco, je vais quand même vous les montrer, les cartes d'illustration, enfin bon, tout ce qui va bien quoi. Alors, hop. Il n'y a rien à dire au niveau de l'emballage, la protection, franchement c'est un gros 10 sur 10. Hein. Donc.
Hop, je vous passais assez vite, enfin, vite fait, parce que je pense que c'est les communes. Il y a du feuil, les versions full art. Donc je vous passe assez vite. Hein. Parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a là-dedans. Vous allez voir. Donc voilà, c'est les cartes d'illustration, les versions full art. Marche à porte noire, bonne carte. Hop, petite île, carte d'illustration, c'est les bornes. Petit fouet du Balrog, Arwen. La verrerie très cool pour ma collection de Alena Danner. Même si je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas ma priorité Alena Danner, mais bon, quand j'en trouve, c'est cool. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau? Très cool aussi. Carte d'illustration. Petite carte de liste. Gimli. Alors, je crois que c'est la seule version anneau que j'ai sortie, mais c'est très cool pour ma collection de Dominique Meyer. Ouais, après, c'est du commune et de l'Unco. Très cool aussi, la petite carte d'illustration de Saruman, le multicolore. Donc voilà, c'est les petites communes, les petites Unco, les foils, les petites alternatives. Mais comme je vous dis, ce qui nous intéresse le plus, c'est là-dedans. Alors, c'est tellement bien protégé. C'est franchement une... peut-être un petit peu, un poil trop. Alors là-dedans, on a quoi? Je sais plus. D'autres communes Unco, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que ça rentrait pas dans l'eau, je sais pas. Peut-être la fin, ouais. Peut-être la fin de ça. Ok. Là-dedans. Hop. Alors. Ah, le bas avec le papier. Décidément. Ah, on y est. Alors. Comment il m'a mis ça? Donc. Hop. Ok. Donc ça, j'ai demandé le booster vide pour ma collection pour pouvoir la mettre dans le binder, donc c'est cool. Là-dedans, ah oui, je vais en revenir là-dessus après. Donc là-dedans, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai tout spoilé. On va revenir après là-dessus. Donc tout à l'heure, je crois que c'est là-dedans, ouais, c'est les petits cadeaux parce qu'il y a toujours des petits cadeaux. Il fait toujours des petits cadeaux, donc ouais, hop, ça c'est le petit mot. Merci pour ton achat. À bientôt. Donc les petits cadeaux, une petite carte, ouais c'est ça, petit cadeau. Donc il signe toujours un petit terrain, donc c'est cool. Et puis une petite vision de dominance en version extended. Je sais pas si c'est pas du commandeur ça, je sais pas d'où, trop d'où ça vient. MIC, je sais pas, à vous de me dire, je connais pas ce sigle. Un petit cadeau, comme vous dit, il fait toujours les petits cadeaux, ça c'est cool, c'est très très cool. Ensuite, hop, alors, attendez, on va faire ça pour pas que je vous spoil. Donc un petit aller-retour, c'est cool, je l'avais pas, ça fait plaisir. Petite saga, l'aller-retour, ouais, d'accord, je vais mettre une carte de montagne, créer smog, ah oui c'est pour le token smog, ok. Ensuite, un petit maraudeur de la Moria, je crois que je l'avais pas non plus, c'est cool. Un petit... Boromir, gardien de la tour. Bah, je crois qu'il me le manquait aussi, donc c'est cool. Petit humain et soldat. Boromir. Ça, je vous montrerai après. Un petit... ouais, on va faire celui-là. Le petit Sauron. En alternative, anneau. C'est cool. Je ne sais pas si je l'avais sorti. Je crois pas. Je crois qu'il me le manquait. Baradur. Pareil, je crois qu'il me le manquait aussi. Je sais pas, je fais ça de mémoire comme ça, donc j'ai aucune idée si... voilà. Un petit Sauron, le nécromancien, en version normal foil. Donc c'est cool. Ça, je crois que je l'avais pas non plus. Ensuite, et je suis ravi, parce qu'en plus, je ne l'avais pas. Le 337, le petit Nazgûl. Donc ça, c'est cool. Ça fait que je suis à 3 ou 4 Nazgûl différents de mémoire. C'est mon 3e ou 4e, et j'ai eu que des différents. Donc c'est cool. Très, très cool. Et on va finir avec deux choses. Tout d'abord... Je vous montrerai la dernière carte à la fin. J'ai pris un booster scellé parce que j'avais pas de booster d'extension scellé. Donc ça, je voulais le garder pour la collection. Pour ma collection à thème Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, j'ai dit, bah tu m'en mets... J'en ai pris 6 en tout. Donc il m'en a ouvert 5. Et j'ai demandé de me garder d'en avoir un scellé. Voilà, donc il n'y avait pas de souci. Ça, voilà, c'est pour la collection. Pas l'abri un jour peut-être de l'ouvrir. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, il va rester scellé. Est-ce que ça rentre là-dedans? Ouais, je crois que ça rentre. De mémoire. Donc peut-être je le mettrai
Je mettrai là-dedans. Ouais, ça rentre nickel en plus. Hop, parfait. Je ferai ça un peu mieux après pour le protéger. Et puis la dernière carte, alors... Vous l'avez vu dans la petite, dans le petit live que j'avais sorti, les maîtres archers. Mais je ne les ai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une personne sur le live qui a sorti une autre carte. Et que quand il a vu que j'avais sorti les maîtres archers, il m'a dit « Ah bah si tu veux, je t'échange la carte que lui il a sortie contre mon maître archer. » Moi, il n'y a pas eu de souci parce que je l'ai déjà les maîtres archers. Métrage chez Gobelin, je l'ai déjà dans la collection. Donc, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc, on a fait un échange. Et en plus de ça, je suis plutôt gagnant parce qu'au niveau vente à l'unité derrière, je suis gagnant vraiment sur le prix. Donc, je suis ravi. Et cette carte qu'il a sortie, et je suis tellement content, j'aurai pas besoin de la chercher. Voilà. Un petit anneau unique. Et là, vous imaginez pas, je suis très content, hein, parce qu'au moins, j'irai pas le chercher. Clairement, vous voyez que comparé prix et revente du maître archer et de l'anneau, je suis largement gagnant. Donc, merci à toi, Renard Fou, parce qu'il s'appelle comme ça, son pseudo, si jamais tu passes par là. Un grand merci encore à toi. Voilà, je suis très content parce que je l'avais pas. Et puis, clairement, voilà, toi, tu voulais mon maître archer, moi, je voulais ton anneau. On a convenu d'un échange. Vraiment c'est cool quoi, vraiment cool quoi. Hop, je vous sors du top loader. Donc ouais, franchement magnifique. J'aime beaucoup le style qu'ils ont donné, très épuré, très épuré, mais qui représente très bien en fait l'anneau qu'ils font dans la montagne du destin, hein, clairement. On voit la lave derrière, franchement elle est magnifique, je suis très content. Oui, voilà, c'est une grosse épine du pied que tu m'enlèves, hein, renard. Donc voilà, elle est vraiment en bon état, il n'y a pas de souci. Elle sera dans la collection et je suis ravi, vraiment j'aurais pas besoin de la chercher. C'est surtout ça. Et puis ouais, clairement mettre son prix, hein. Clairement on est sur une très grosse carte, donc c'est cool, vraiment je suis ravi. Merci à toi Las, t'as eu vraiment la main chanceuse. Clairement j'ai eu des dingueries, donc je suis ravi, vraiment je suis ravi. Et puis voilà, ça conclut mes achats de Lords of the Ring avec une très belle fini. On a très bien fini, hein, franchement, l'ouverture de Lords of the Ring. Maintenant, c'est des achats à l'unité. Clairement, c'est des achats à l'unité. Il reste quelques grosses cartes à récupérer, hein, la Flynn, la carte rouge, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai bouffé le nom. Voilà, et puis les alternatives. Bon, ça va être une. Pas finir ça de suite, hein. Peut-être d'ici la fin de l'année on verra, clairement si je trouve des bonnes cartes à l'unité, ça va être cool quoi. Voilà, c'est la dernière vidéo en date, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faut me dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Prochainement, comme on vous dit, dans quelques jours c'est Eldraine. Je sais pas si je vais pouvoir faire la paix finalement, parce que ça va être un peu compliqué avec j'avais l'intention de le faire un petit peu loin de chez moi, donc pour rentrer ça va être avec les transports en commun. Je sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Mais peut-être me faire amener en voiture. Et je vais le faire avec un collègue. Normalement. Voilà. Donc j'ai très hâte de la sortie de l'Eldraine. Vous allez voir peut-être soit le débrief forcément de la paix si je fais la paix. Ou alors le bundle. Le bundle d'Eldraine qui devrait sortir ce week-end. Voilà, clairement. Dans quelques jours. J'ai très hâte. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis sur ce, portez-vous bien. Allez.